Salut les joueurs! Salut les joueurs! Bon, aujourd'hui, un jeu extraordinaire, en tout cas, nous l'aimons beaucoup ici. Rolling Bandit. Oui, un jeu édité par Blue Orange, qui est passé à mon sens un petit peu inaperçu, sous les radars. Mais avec une mécanique assez particulière qui fonctionne bien. Qu'on vous propose de découvrir. Ouais, il est vraiment bien. Allez, c'est maintenant. A tout de suite! Alors, tu nous expliques un peu en quoi ça consiste? Ouais. Dans ce jeu, nous incarnons une bande de truands, sans foi ni loi. Et pour ça, nous incarnons avec nos dés. Chaque dé représente un de ces bandits. Les bandits vont tenter d'attaquer le train. Donc forcément, on chevauche derrière lui, en essayant de le rattraper, parce qu'il va vite. Et donc, on va commencer par l'arrière du train. Tout à fait. Et dans cette arrière de train, on remarque qu'il y a des coffres. Chaque coffre, chaque combinaison de dés permet d'ouvrir le coffre. Ce coffre nous offre des points, avec certains avantages. Chaque wagon qui sera pris nous rapportera aussi des points, qui sont inscrits sur les cartes. Très bien. Comment on joue? Allez, c'est parti. Allez, donc chaque joueur est à la tête d'une bande de 7 truands. Cette truande donc interprétée par nos dés, sur lesquels il y a des symboles. Alors, sur les faces, on va trouver une botte. Un pistolet. Un masque. Un chapeau. Un fer à cheval. Et rien du tout. Une face vierge qui va servir de joker. Voilà. À son tour de jeu, tout au moins en début de partie, le joueur va lancer les 7 dés. Il regroupe ensuite les symboles ensemble, donc il fait des bandes de bandits. Oui. Et toute la stratégie va consister à placer judicieusement ces groupes de dés sur les différents wagons, en commençant toujours par la fin du train. Voici donc mon premier jet de dés. Je regroupe ensemble mes bandits chapeaux, mes bandits masques, mon pistolet qui est tout seul, et le fer à cheval. Je vais donc maintenant choisir sur quelle carte je vais pouvoir les placer. Dans chaque wagon, nous avons donc des coffres. Chaque coffre-fort possède un symbole. Pour pouvoir prendre le coffre-fort, il va falloir que je sois la première à poser ici 3 chapeaux. Ici, ce serait 3 masques, 3 bottes, etc. Ça me permet de remporter le coffre immédiatement. Pour remporter le wagon, il va falloir que je pose au minimum 3 dés, quel que soit le symbole, mais que je sois aussi en supériorité à la fin du tour, c'est-à-dire qu'aucun de mes adversaires n'ait posé 4 ou 5 dés, auquel cas ce serait lui qui remporterait la carte. Alors, 3D, excuse-moi, mais 3D, c'est parce que ton wagon vaut 3, c'est ça? Voilà. Sur un wagon 4, il me faudra poser 4 dés au minimum, etc. Donc, je vais choisir de poser mes 3 chapeaux sur le premier wagon, parce que je commence toujours par la fin. Ici, je vais poser 2 masques, dans l'espoir qu'au tour suivant, je pourrai peut-être poser un masque supplémentaire et rapporter le coffre. Je vais ensuite poser un revolver ici, puisque je n'ai pas le choix, et mon fer à cheval sur le quatrième wagon, puisque le coffre, c'est un fer à cheval. Et puis, au fil du jeu, on essaiera de compléter. Le fait de poser 3 dés me permet de remporter immédiatement le coffre. Qu'est-ce que je découvre à l'arrière du coffre? Oh, miracle! Un point de victoire. Et des actions supplémentaires qui vont me permettre de modifier un petit peu le jeu au moment où j'aurai envie de les utiliser. Donc ici, je vais pouvoir rejouer autant de dés que je veux sur mon premier lancer. Il existe également la possibilité d'inverser les dés de wagon adjacent. On a aussi une bombe qui agit immédiatement et qui expulse tous les bandits, à l'exception d'un seul dé, qui expulse tous les bandits du wagon. Ben voilà, vous aurez compris que ces coffres forts permettent de rapporter des points de victoire, mais nous donnent aussi des actions supplémentaires. Et bien voilà, j'ai placé mes dés. Maintenant, c'est à Florent de jouer. Alors, j'ai jeté mes dés. Donc, je regroupe mes chapeaux, mes neutres ensemble me serviront pour la suite. Masque, j'en ai qu'un seul. Et bottes. Bon, ben je vais considérer. Je vais lui laisser la suprématie sur cette carte. Par contre, je vais prendre masque ici. Je rajoute 3 neutres. Ça me fait donc 4 masques. Et je place une botte sur le prochain. Si j'ai 4 masques, je vais donc aussi prendre la carte et peut-être
Au prochain tour, j'aurai la suprématie sur le wagon à 4 points. Je lui ai laissé le 3 pour récupérer le wagon à 4 points. Et qu'est-ce que je découvre derrière? Je vais pouvoir intervertir la somme de 2 wagons. Tiens donc, ça pourrait être intéressant. À mon tour de jouer. Donc à mon tour de jeu, puisque j'ai posé 3 dés sur une carte à 3 points et que je reste en nombre supérieur, au début du tour, je vais donc récupérer un wagon, tintin, et ses 3 points. Je rends ses dés à Florent et je récupère les miens. Hop, 3 points de victoire. Ce sont les dés que je vais pouvoir relancer pour continuer mon tour. J'ai aussi la possibilité de récupérer les dés situés dans le train. Je reprends mes bandits et je referai ma stratégie. Attention, si je retire la totalité de mes dés, je vais devoir recommencer la poursuite du train et recommencer par le dernier wagon. Si je me dis ici, il a déjà 4, je ne prends pas le risque, ceux-là, ils ne serviront plus. Ici, j'ai un pistolet, il a une botte, je préfère le prendre. Et ce qui fait qu'après mon lancer de dés, je vais pouvoir continuer la poursuite du train à partir du wagon dans lequel je suis déjà. Donc, cette carte-ci, et puis on continue de remonter, ainsi de suite, jusqu'à la locomotive. Lancer de dés, je regroupe les masques, 3 masques, oh, voilà qui peut être judicieux, une botte, un revolver et un chapeau. À partir du moment où j'ai déjà un symbole sur une carte, je ne peux plus poser que ce symbole-là. Donc je n'ai pas de fer à cheval, je ne peux pas poser de fer à cheval ici. Je vais donc continuer le chemin sur le train, un chapeau, des revolvers, ah, ici 3 masques, donc ça peut être judicieux de respecter un petit peu, hop, on va commencer par le chapeau, de respecter les cartes qui sont dans le train. Donc ici, c'est quand même des cartes assez importantes, à 4 points. On verra si j'arrive à la garder. Par contre, j'ai posé mes 3 masques. Je récupère immédiatement, hop, ça brille un petit peu, le coffre-fort qui me rapporte donc un point de victoire et la possibilité de relancer les dés. Ah tiens, j'aurais pu utiliser l'autre tout à l'heure. La seule difficulté dans ce jeu, c'est de ne pas oublier un petit peu ces actions qu'on peut faire et que là, j'ai oublié, ça aurait pu me servir. Voilà. Florent, à toi. C'est parti. Et voilà. Et donc, le jeu se termine lorsque la totalité des wagons a été ramassée, y compris la locomotive, qui vaut 5 points. Et 5 points, c'est beaucoup. Mais alors, 5 points, c'est aussi 5 dés identiques sur la même case. En sachant que si on en a 7 dés identiques, on récupère aussitôt la carte. Oui, parce qu'il n'y a pas de risque que quelqu'un nous surpasse en nombre. C'est sûr. Bon, Running Bandy, alors qu'est-ce qu'on peut en penser? Un jeu assez sympa, sur des parties relativement rapides, enfin à notre niveau, 20-30 minutes. Voilà. Ce qui se joue de 2 à 4 joueurs, la seule subtilité à 2 joueurs, c'est que l'on retire 6 cartes wagon. Donc on a un petit peu moins de wagon oui, à parcourir. C'est mieux. En tout cas, un jeu qui se joue très bien aussi à 2, mais à 4. Il est très accessible dès 8 ans, je crois. Oui, 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 ça se joue facilement. La stratégie est très rapide à comprendre. Et au final, assez subtil. Enfin, il y a beaucoup de rebondissements, ça se joue bien. C'est pour ça que c'est un jeu qu'on aime. Voilà, on vous tenait à vous le présenter. Et ben, c'est fait. C'est fait. Allez, salut les joueurs.